nous connaissons en pile fois surtout dans pays étranger et timon yo gen bon l'école que yo aller et puis il a fait comme s'il a fait red yo pas aller à l'école et puis comme si là yo dou yo même pas aller à l'école que yo préfère être la caille jouer bon des fois nous comprendre ça tout des fois yo fatigué mais gagnent on série de timon dans l'autre pays qui vraiment c'est des périples chaque jour c'est brave y a brave danger pour yo aller l'école et peut-être que nous ka montrer le timoun yo a fait red comme ça nous ka montrer yo l'autre timoun dans l'autre pays ça yo qui gens y a brave danger pour y aller l'école peut-être les ça yo ka prendre conscience peut-être les ça yo ka essayer changer nous connaît timoun toujours sensible à problème avec à souffrance l'autre timoun et mais je dis à nous parler 15 chemin l'école qui pi danger pour élève yo mais l'aime dit nous qui pi danger c'est vraiment de l'école côté peut-être chaque jour là ou gen doit attendre timoun mourir et bien chaque jour là ou gen doit attendre en fait n'importe bagarre arrivé tellement route ça aussi des routes dangereux que oui n'a pas regarder ça ensemble n'a commencé avec image ça que n'a regarder là c'est on l'école Himalaya son pensionnat que lié et bien au moins c'est une fois seulement timoun yo gen pou al la dedans mais l'heure al la dedans yo gen pou marcher 20 km dans neige mais problème qui gagne dans Himalaya c'est que tout temps gagne des avalanches n'a regardé là que a traversé des grosses bandes de neige et puis des fois neige ça gen wa affaissé avec yo et timoun sa qui pas dans pensionnat ça vraiment c'est danger a braver tous les jours. L'école ça lui-même est située dans la province d'Ujiangen en Chine et son l'école côté pont pour traverser une partie là pour arriver dans l'école là pont endommagé c'est vraiment avec des branches de bois puis des planches que vous mettez à travers lui et puis vraiment des grosses cordes mais ce problème qui arrivait c'est que le neige qui a tombé pont ça non seulement il endommagé ou elle là il penché en bas et puis donc on est neige là il vraiment glissé donc ça c'est un périple un gros périple que timoun ça yo même y apprend chaque jour pour y aller à l'école dans ville d'Ujiangen en Chine. En Indonésie dans ville Silangap gagné on l'école qui tellement situé loin c'est pour tout monde qui dans région ça c'est que yo même au lieu que yo marcher des et des kilomètres chaque jour aller et retour yo préféré faire un canot en bambou et côté ouais que yo camper sous canot là pour aller à l'école les comme ça yo prend rivière Serang qui c'est qui dans Indonésie comme ça traverser la rivière là laisse ça sauver à peu près 2 heures de marche pour t'a fait chaque jour pour y aller à l'école donc à cause de grâce à rivière ça yo sauvé tout marche ça mais ouais que obligé camper sur rivière là canoan yo t'ai fait canoan plus large mais ouais canoan tout petit vraiment n'importe mauvais ballon là y a saut tombé dans rivière là c'était tout monde qui a bravé danger chaque jour dans province Silangap pour y aller à l'école en Indonésie tous les jours. Ou ta ka pense ti moun sa yo même qui a vive en Inde à Delhi yo plus chanceux que ti moun Silangap yo que nous sort tap gade tout à l'heure là mais ti moun sa tout yo brave danger chaque jour parce que yo plusieurs là yo compte à peu près en vingtaine sous un petit charru et problème qui gagne c'est que route là pas bon et route et charru là pour les des fois à une vitesse qui assez grande n'importe si roche n'importe si caillou charri a saute tomber là et on regarde que ouais ti moun sa yo pas gain casse non mais dans en fait dans tête yo donc ça veut dire que yo même n'importe chute là ca fatal et ouais gain qui pendier sur à côté gain qui pendier derrière gain qui pendier devant c'est vraiment des ti moun ca brave danger chaque jour en Inde pour y aller l'école à Gulu en Chine qu'on l'école qui tellement inaccessible que paysan yo en fait habitant villageois yo yo obligé casser montagne pour foncer un petit route à pied pour élève yo ka passer les matins n'a gardé gentil route yo étroit et vraiment ça qui
passer dans zone ça, c'est que le c'est neige qui a tombé ou bien le c'est pluie verglaçante, c'est que petit sentier ça, son petit sentier qui fait à peu près 30 cm des fois de large et faut marcher 5 heures sous lui. Donc où est que aléa a plus danger à risque là, les grands et pour petit monde ça qui obligé pour garder la cap route ça chaque jour aller retour. C'est 5 heures aller, 5 heures tourner. Donc vraiment, c'est 10 heures de temps pour marcher pour aller dans l'école ça. Et c'est une route qui est large de 30 cm, dans une bonne falaise. N'importe qui échappé, c'est en bas. Donc, les gens savent qu'il y a bravé danger en Chine chaque jour dans la province Goulou pour être capable de prendre plein d'instructions tous les jours. Nous connaissons l'Inde, son pays qui est très peuplé, c'est le deuxième pays qui est plus peuplé sur la planète. Là. Et bien, des fois, le gouvernement, même s'il a une bonne volonté, ce n'est pas tout côté que il est arrivé. Et il y a des provinces côté vraiment, le côté de regarder là, il y a des ponts improvisés que la population a fait. Ça, sont ponts qui fait avec un série de vieilles racines. Pied bois qui est presque fini là, c'est avec yo râler on sait de coup pied bois là yo râler racine yo mettez yo ensemble yo fait yo pousser en façon et puis yo mettez on sait de galette roche sous yo pour élève yo passer sous en rivière. Mais nous comprenons le problème là, c'est que si bois ça ta vin pourri avec le temps, et bien n'importe petit moment élève ça au cap tomber contre ou yo ka tombé dans l'eau et j'en ouais de l'eau et à couleur de l'eau nous est de l'eau assez profond. Donc c'est vraiment un périple chaque jour pour élève ça dans ti ville Inde. Ville Kerala en Inde son ville qui célèbre parce que ville ça son ville qui gagne un taux de radioactivité qui enrage la donne et gagne un taux de radioactivité naturel dans zone dans terre Kerala même. Ça veut dire que moun sa yo y a subi et des ondes radioactives à longueur d'année depuis toute vie. Et bien malgré tout danger ça, en fait en pile médecin toujours a dit yo pas ka comprendre comment moun Kerala fait pas jamais développer ça rile un cancer, mais parce que tellement ville là même les radioactives, c'est son série de mines d'uranium ou avec l'autre roche radioactive qui gagne dans zone Kerala. Et bien malgré danger ça que y a vivre au quotidien, malgré mystère ça qui fait que pas jamais développer cancer, pas jamais comment monde ça pas jamais développer cancer parce que tellement vivre dans une zone qui est radioactive. Et bien malgré ça, yo élève yo obligé à braver et on rivière là, son série de canaux à plusieurs pour yo capable aller dans ti l'école ça ou en face là. Et ben danger hein, c'est que fort temps ça li calme et depuis qu'on ti balancé, nous gétan comprendre ça qui va passer, en pile élève va tomber dans l'eau et puis ou pas jamais connait gien des ti moun piti dans ça qui panique pour qu'apprend yo. Et puis, ou pas, j'en connais qui ça qui arrive. Donc, c'était Timon qui a bravé la mort chaque jour pour y aller à l'école. Décidément, pays indonésien sont pays tête chargée lié. Là, nous avons vu les bacs, nous avons gardé un pont. Mes amis, c'est ton pont normal que tu es. Et puis, mais ça qui passe là, il y a un bon pont qui rache. Donc, pont suspendu en l'air. Malgré ça, autorité dans la zone n'ont pas rangé pour moi. Et bien, chaque matin, élèves sont obligés à prendre demi-pont ça pour y traverser, pour y aller à l'école. N'a pas gardé des parents tout qui obligés à accompagner là pour make sure depuis au tomber pour t'a plonger derrière. Et vraiment, autorité dans la zone ça, t'es vraiment abdormi. Non seulement pont où t'es ouais que mosso planche yo gen pile côté li manke mosso planche yo, mais gon pati nan pont ki sont tombé et autorité ou pa jam range. Après que photo sa noue la li te fait tout de plusieurs réseaux sociaux, et bien te gen des levées de fonds qui te fait, et bien finalement yo te font ti réparation nan pont. Et bien
on chance donc élève les bacio qui était qu'on a bravé danger kounia là à partir de année ça yo pour gagner un autre pont tout neuf mais nous ta c'est sûr que son ville que faut ta surveiller parce que faut ta surveiller autorité parce que et pour ça surveiller pont ça parce que si nous ouais il ca quitter pont en terrivé dans état ça yo pas jamais faire là en rien garder qui gentil obligé suspendu en l'air pour passer sous pont nous gain fort appareil que prochain pont ça qui fait là depuis les vins défectueux tout il a quitté le même genre donc ville les bacs là sont ville à suivre mais ti moun ça a été contre brave en pile danger pour y aller prendre le pain de l'instruction comme proverbe qui dit jamais 203 et bien indonésie ville sacrée les Pangouran en Indonésie et bien c'est même situation presque à ville les bacs là que nous autres avant c'est que ti moun ça au même yo obligé à voyager et bon yo même yo c'est pas un moitié pont que yo gagne pour mousse pont que yo gagne ti moun ça obligé à voyager sous tête un petit bateau là tête un petit bâtiment parce que en dedans bâtiment li foule pas gagne place encore ils sont traversés donc l'autre yo obligé yo pas qu'attendre que bâtiment retourne vin pour sinon y a en retard l'école là tellement l'école là loin tellement rivière grand tellement en fait ça son lac tellement lac regardez où on l'autre bateau dès qu'a venir donc faut ouais que yo sorti très loin dans mon ouais dans fond derrière donc c'est ça qui fait que yo pas qu'attendre que bateau retourne vin chercher obligé prendre sous tête bateau mais nous gain comprendre si qu'on l'âme qui trop gros et bien ti moun sa besoin qu'on vin des virtuoses de l'équilibre parce que si qu'on l'âme qui dans l'âme dans lac là qui trop gros et bien bateau fond ti balancer là et bien tout ti moun sa yo y a retrouver dans lac là et sortant de n'importe bagaille qui arrivé vraiment ville Indonésie ça yo c'est des villes tête chargée côté yo pas respecter ti vie ti moun yo même chaque jour y a braver danger pour y aller l'école. Ou te ka pense ou te ou te web pire ou yo et bien même pense que ça c'est une photo qui pire enragé que nous ka aujourd'hui là parce que ti moun sa yo c'est vrai que là dans ville Pili en Chine c'est vrai que yo fait un voyage en fait sinon internat que yo pour aller yo pa gen pour yo faire voyage presque chaque jour mais son périple de presque 200 km mes amis à travers les montagnes tellement internat ça son sorte de internat qui et que des sortes de bouddhistes ou bien des moines qui gagnent dans tête montagne et bien montagne pas accessible du tout et bien yo si mon obligé faire un périple de 200 km c'est vrai que yo fait une fois par saison chaque fois que yo en vacances yo tourner la caillou mais quand même son périple à travers une série de pentes qui escarpé ouais les côtés même pas même des côtés pour marcher vraiment ouais nègre là cap kembe ti moun yo là cap passé ti moun yo monsieur prête pour tomber en bas lui même tout donc vraiment son un chemin périlleux que ti moun yo gen pour traverser chaque année pour y aller dans internat ça yo traverser au moins 4 fois par année et yo fait 200 km à marcher vraiment ti moun ça remet l'école en pile. Là, c'est le cas pour nous dire jamais 304 pour Indonésie. Indonésie qui retourne encore. Indonésie qui gagne un record là. Côté Timoun, on passe plus misère. Et c'est des Timoun de confession musulmane le plus souvent parce que nous avons Tifio en pile, Tifio voilé. Et bien, ça, c'est dans la zone Rio en Indonésie. Donc, il est un petit peu moins périlleux, nous capables de dire. Un petit peu moins dangereux que l'autre parce que même oui c'est faut traverser à canot danger à c'est que canot en cas tombé dans l'eau en mauvaise manœuvre etc mais au moins ou là que c'est ou trois par canot et puis l'eau a t'assemblé plus calme et puis les plus restreint mais toujours gain en danger parce que c'est canot et c'est timoun qui a mené tête sur l'école c'est
cramé vraiment n'importe bagaille qui arrivé et ce problème là c'est que c'est panique là si on ti monde tombé dans de l'eau et puis c'est panique là à chercher et pour qu'on ait qui ça qui mauvais bête qui mauvais serpent et pas oublier que dans pays ça il y a toute qualité de bête sauvage il y a tigre il y a léopard il y a guépard il y a toute qualité bête il y a serpent des crocodiles tout des caïmans dans de l'eau donc c'est des périples tête chargées que Timon a pris chaque matin pour y aller à l'école. Nous connaissons en Haïti un zip line dans la zone Labadie côté que vous monter dans la tête là et puis pour traverser la plage là dans zip line et bien autorité dans la ville Rio Negro en Colombie ben c'est un zipline que yo installé pour élèves l'école yo ka traverser bon, pour habitants yo tout ka traverser donc au lieu que descendre montagne donc que pour aller passer dans l'eau qui pour aller prendre yo à peu près 1 heure et 25 minutes et bien si mon yo obligé prendre zipline ça yo attaché yo et puis yo font glissade de près de 800 mètres et en fait de 800 à 400 mètres de hauteur dans un zipline au-dessus de rivière Rio Negro ça pour y aller dans l'autre bois pour y aller à l'école mais malheureusement l'air tourné pas qu'à prendre zipline obligé marcher à pied mais au moins les matins l'heure va à l'école l'école la plus rapide y arrive plus vite y arrive moins fatigué et ça prend yo à peu près 2 heures de temps avec zipline mais là à tourner ça prend yo à peu près 3h45 à 4h de temps pour tourner pour marcher sur l'école donc nous gétant comprendre que l'école ça va pas durer c'est l'école c'est des cours qui durent 3 à 4 heures à 5 heures de temps maximum dans ville Rio Negro si mon yo remet l'école en pile y a bravé danger chaque jour. Ça lui même c'est dans ville Rizal en Philippines et eh bien qui ça vient arriver c'est que oui qu'on rivière pour traverser mais problème là c'est que y a pas un cob pour y faire pour acheter des canaux et puis y a pas assez de ressources pour y faire des canaux tout des petits radeaux etc et eh bien même c'est des chambres tracteurs que y prend pour y traverser rivière ce qui est très 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 dangereux parce que chambre tracteur li mené timoun yo n'importe qui bon et problème qui vient arriver dans ville Rizal là c'est que rivière ça que traverser son rivière qui tout le temps en coup depuis la pluie tomber et bien timoun sa yo parents yo gen tan konnen c'est son mot d'ordre depuis la pluie tomber parents yo konnen que y a dormi dans l'école là ou bien y a dormi ka des voisins qui près l'école là ou bien ka des familles qui dans zone l'école là yo pa ka traverser rivière bac pour retourner la caillou avec chambre ça yo parce que rivière trop ou li trop mauvais dans ville Rizal en Philippines. Jamais 405 pour Indonésie. Ça c'est dans capitale la Sumatra, dans zone Sumatra en Indonésie, dans l'île de Sumatra et là, c'est presque même situation avec ta le pont était suspendu en un bon pont. Ça c'est presque même genre pont les fines crasées, mi-temps pont tombé, c'est deux bons ponts qui campé, ça veut dire que planche qui nan mi-temps yo tombé à terre, gain qui suspendu toujours, gain quelques qui là toujours, mais autorité ou pas jamais jugé bon pour y ranger pont, nous toujours ça et témoignent chaque jour c'est sous tête fil yo passé vraiment suspendu dans les airs pour traverser parce que yo obligé yo en fait yo préféré faire chemin ça parce que si yo font l'autre chemin pour marcher à pied pour contourner jungle li prend yo trop de temps et yo pas get arriver l'école là donc c'est ça qui fait yo obligé braver danger ça chaque matin pour aller en côté qui picoute un chemin qui picoute mais son chemin mal allé chaque matin dans Sumatra en Indonésie. Dernière école que nous avons sont l'école qui est située dans la ville de Zhangyawan en Chine, dans le sud de Chine. Eh bien, l'école ça lui-même, bon, barré un mot encore, sont l'école tête chargée parce que ça passait c'est que l'école là sont l'école de moines que liés
et les et moine yo mettait l'école là, il a bâti l'école là sous tête en falaise qui pa gen aucun accès. Alors ça que yo fait dans période de l'année le gen l'école, yo conseille de échelle tête chargée qui collé sous montagne là et élève yo chaque jour là yo obligé apprendre échelle ça pour y monter. Et nous connaissons ça qui va le passer, c'est que le la pluie tombe, bois glisser, et bien, et Timoun est capable de glisser sous échelle. Et c'est la même situation avec Sumatra en Indonésien. Gagner l'autre route pour ta fait vraiment, pour ta contourner, pour le passer par en pleine. Mais ça prend peut-être à peu près 11 jours à 11 jours et demi. Pour faire, donc c'est hors de question pour faire c'est seulement sous ta pas vinn rete sous pas rete dans pensionnat dans l'école là ou quatre côtés qu'a fait ça, mais ça c'est pour pensionnaire, c'est pour internalier chaque jour fois la caillou. Donc c'est ça fait moigno yo penser avec petit dispositif ça, mais un dispositif tête chargée. Donc c'est yo mettre échelle dans flan falaise là vraiment dans ville Zhangyawan en Chine. C'est lui même qui dernier l'école que n'a pas, mais vraiment c'est nous sortons la 15 l'école, 15 routes l'école qui vraiment enragé que Timoun apprend chaque jour. Donc l'autre Timoun qui pas à l'école vraiment, ça c'est des exemples que nous t'a montré. Et pas seulement Timoun, c'est conseil de monde qui bien des fois yo pas connaissé ou bien, et puis on regarde qui ça l'autre monde a fait pour yo prendre le pain de l'instruction. Nous t'a souhaité que ça lui serve en leçon pour un pile monde, et c'est là m'a quitté nous, m'a continuer fouiller pour nous pour me garder des faits insolites comme ça, et puis m'a porter pour nous. Restez branchés pour l'autre vidéo.